Après, vous savez, votre propre analyse, vos commentaires, évidemment, comme je vous l'ai dit, oui, il ne vient pas dans les meilleures dispositions. C'est pas en claquant des doigts que, voilà, on peut tout remettre à l'endroit. Après, la qualité et le potentiel d'Antoine, ce qu'il est capable de faire, voilà, il peut lui aussi avoir une période où il est moins bien, même si en équipe de France, il a souvent été très bien et très influent, que ce soit dans les statistiques offensives, à savoir les buts qu'il fait marquer et les buts qu'il marque. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ces situations de fin de saison qui sont compliquées pour beaucoup de joueurs. Et des joueurs qui ont eu des saisons chargées. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a beaucoup de blessures. Donc, ces joueurs-là ont forcément moins de fraîcheur que d'autres qui ont été moins utilisés durant toute la saison. Donc, mais après vous avoir dit ça, on est là, vous savez notre programme, les matchs s'enchaînent. Donc, et c'est valable pour nos adversaires aussi, et l'adversaire de demain qui a eu un match très compliqué face à l'Autriche, où le constat aussi sur la fraîcheur physique a été importante. Donc certains en manquent un peu plus que d'autres, mais bon, malgré tout, voilà, je ne vais pas juger Antoine ou un autre joueur sur un seul match. C'est pas son meilleur match, bien évidemment, mais je ne vais pas remettre en cause tout ce qu'il est capable de bien faire encore. Niečo svedete Antoana Griezmana na spomenutú utakmicu, to je vaša odlučná samostalná analýza. Je situácia na kraji sezóna veľa komplicirana s takým igračima, to preto sme vedeli i vašim karackým igračima, to sú hodna pripravená i ale potom aj si vedeli si igrača starš koľko sieš. Par godina je zbogra naviku gubiti, pa kako ste to prihvatili, jeste prišali međusobno igrači? Oui, on en parle entre nous, forcément. On est des footballeurs de haut niveau, donc forcément on regarde aussi nos matchs. Donc nos comptes rendus aussi entre nous, soit collectifs ou individuels. Maintenant on sait qu'il va falloir tourner la page entre guillemets assez rapidement pour se focaliser sur ce match de la Croatie, parce que ça va pas être un match qui sera simple, mais ce serait une bonne bataille. Tako, mi smo profesionalni igrači, pa mi o tome razgovaramo i gledamo sve utakmice nakon toga, ali se ćemo mi brzo odlučiti, brzo okrenuti list i ćemo da pobjedimo.